Ils ont gagné avec Jigmé. La famille Garçon, Guillaume et je crois que Jean-Pierre n'est pas très loin. Les éleveurs pour la Yegada Centurion et les copropriétaires. Quelle histoire, Guillaume, raconte-nous un peu déjà tes sensations pour cette belle victoire et un peu l'histoire de ce Jigmé. Bah, les sensations, c'est voilà, hein, il fait tête et corde, il avait quand même 4 kilos en plus. Voilà, on sait que c'est un crack, enfin on le savait, puis là c'est un super crack, quoi, simplement. Un futur étalon né et élevé à la maison, ça doit être encore quelque chose de plus fort, ça. Bah oui, voilà, hein, écoute, on continue d'aligner, hein, plat, obstacle, voilà, non, c'est top, l'automne va être beau. Et bravo, il est là, le grand instigateur, puisque tu ne serais pas là sans lui, mais, ni madame, ne l'oublions pas. Jigmé, né à la maison, et racheté sur le ring, c'est fou cette histoire. Ouais, c'est extraordinaire, c'est un crack, il aura mis un épercute sur le plat. Il est super bien né, c'est un beau cheval, c'est formidable. Ça donne envie de mettre des juments plus tard, ça. J'espère. On se revoit à l'automne. Merci Jean-Pierre, bravo.